suis le docteur Villebrun, médecin généraliste en centre de santé, secrétaire général de l'Union syndicale des médecins de centre de santé, et je représente donc le docteur Frobert qui n'a pu être présent aujourd'hui, mais qui donc a lancé une pétition sur le réseau national des centres de santé avec à l'heure actuelle 78 000 pétitionnaires en ligne. Je vous présente rapidement la proposition de Dr Frobert. Donc, c'est d'initier un réseau d'un millier de centres de santé en France sur un mode pluriprofessionnel qui puisse mailler le territoire et permettre un accès aux soins préférentiellement dans les déserts médicaux, ce qui est le sujet d'aujourd'hui. Le Dr Frobert est très honoré d'avoir été auditionné par le CESE. Les propositions qui ont été faites par la commission répondent en grande partie aux propositions qui ont été donc faites par le Dr Frobert et les pétitionnaires. Ça reprend principalement donc cette action de création de centres de santé sur le territoire. Les préconisations nous semblent équilibrées. Néanmoins, bien entendu, nous aurions aimé peut-être un petit peu plus d'incitatifs à la création de centres de santé, au développement et à l'installation donc, des professionnels de santé en centres de santé. Mais là, actuellement, compte tenu des avancées, nous sommes très satisfaits de cette évolution et nous espérons que ce sera repris par les pouvoirs publics. Nous avons vu que la ministre de la Santé a cité les centres de santé comme l'une des possibilités d'installation des professionnels en ville. Il nous semble intéressant d'aller plus loin, néanmoins, pour une création réellement effective et très prochaine de ces centres de santé sur le territoire en ayant une volonté affichée et un soutien réel par les agences régionales de santé à la création des centres de santé, autant que des maisons pluriprofessionnelles de santé comme à l'heure actuelle.